Good morning, Aleiden. L'étude sur aujourd'hui, le Nishmat, Avam, Chayin, Robert, Ben, Fortuné, Mazel, Rachamim, Ben, Rosad, Yedida, Bat, Esther, et Allegria, Bat, Sol, Ben, Soussan, le Bet, Vanish. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions à Sechet, Rin, Perek, Bet, Mishnah, Lav. En Pochatin, Mishnah, Masar, Leviim, Omdim, Aladouchan, Omosifin, Adler, Olam. En Katan, Nichnas, La Azara, La Avoda, Ela, Beshaash, Aleviim, Omrim, Bashir. ולא היו אומרים בנבל וכינור, אלא בפה, כדי לתן תבל בנעימה. רבי אלעזר בן יעקב אומר, אין עולין למניין, ואין עומדים על הדוכן, אלא בארץ היו עומדים, וראשיהן מבין רגלי הלוויים, וצוערי הלוויים היו נקראים. Votre משנה va conclure maintenant le sujet des chanteurs et musiciens qui avaient au Beth Amikdash, les Lévi'im, tout ce qu'on a pu voir, les différents instruments, combien d'instruments de chaque chose. En concluant à présent avec En pochatin mishnem asar leviim omdim ala duchan. On n'aura jamais moins de 12 leviim qui seront sur l'estrade. Le duchan, c'est la bama, c'est l'estrade. Donc il y avait une estrade au Beth Amikdash où là-bas les leviim chantaient et jouaient de la musique. Ils chantaient le shir shel yom. Et il fallait qu'il y ait au minimum, dans toutes les circonstances possibles, il y avait au moins 12 chanteurs. On va ensuite faire le détail dans quelques secondes. Ou Mosifin Adel Olam, et on peut en ajouter autant que l'on veut. D'accord ? Donc, maintenant, il y a un petit problème technique. Je vous explique succinctement. Je vais d'abord vous expliquer la Mishnah selon Barthelnora, soulever un certain problème et résoudre le problème éventuellement selon le Rambam. Dans le Barthelnora, il nous fait le compte en réalité. On avait dans la Mishnah précédente, si vous vous souvenez, il y avait. Pas précédente, oui, c'était la précédente, où il y avait. Les nombres de musiciens, non, c'est pas la précédente, excusez-moi. Oui, il y avait 9 kinor, il y avait 9 harpes, une cymbale et 3 flûtes. Le partenaire ne le rapporte. Il y avait, parmi les instruments minimaux, le nombre de musiciens minimal qu'il fallait pour chaque chose, alors il y avait au moins 9 kinor, on avait dit que le kinor c'était de la harpe, et 2 avec le nevel. On va expliquer que c'est pas, on ne sait pas exactement ce que c'est, ça peut être une sorte de violon, je ne sais pas. Et 1 pour les cymbales, donc ça fait 9 plus 2 plus 1, on arrive à 12. Donc en fait, le Barthelnora nous dit, ben voilà, c'est ça les 12 Lévi'im qui étaient sur l'estrade et qui chantaient. Sauf qu'il y a un double problème technique. D'abord, tu me parles de chanter, et la Mishnah ensuite, elle va nous parler de chanteurs. Et tu me rapportes une source avec ceux qui font avec les cymbales. Sans compter qu'à part ça, il y a un deuxième problème technique. C'est que si vous vous souvenez, dans la Mishnah, une des Mishnah précédentes, où on avait vu qui devait chanter, c'est la Mishnah d'Alet, qui devait chanter. Il y avait certes l'avis de Rabbi Chanan ben Antigdos que c'était les Lévi'im qui chantaient. Il y avait deux autres avis que c'était des bons juifs d'Israël, ou bien même des esclaves de Kohanim qui chantaient, selon Rabbi Meir. Donc finalement encore, on aurait une Mishnah qui ne parlerait que des Lévi'im selon les chanteurs. Il y a une difficulté. Le Tosfos Yom Tov essaye de répondre malgré tout dans le Barthelnora en nous disant que, en réalité, concrètement, c'est vrai qu'on pouvait avoir des musiciens et avoir des chanteurs, mais concrètement, on faisait chanter les musiciens, comme c'est fréquent aujourd'hui. Tous ceux qui font de la scène, et ben, ils jouent au piano ou ils jouent à la guitare, et bien ils chantent en même temps. Donc en fait, le Barthelnora nous dit peut-être que techniquement, c'était ce qui se passait en fait. Il y a le Rambam qui propose une autre lecture de Mishnah, qu'on parle que réellement, on parle du nombre de chanteurs en rapport avec les musiciens, pour pouvoir garder un certain équilibre, qu'il n'y ait pas 2 chanteurs ou 4 chanteurs pour 12 musiciens. Non, on veillait à ce qu'il y ait autant de chanteurs qu'il y ait 2 musiciens, ou peut-être même plus, comme la Mishnah continue en me disant. Donc voilà, on parle concrètement 12 Lévi'im qui chantent sur le Douchan, et qu'on peut en ajouter autant que nécessaire. Maintenant, aussi un autre point important, c'est qu'on a dit qu'il fallait faire les 12 par rapport au nombre d'instruments, mais on a oublié un truc important, c'est qu'il y avait des jours particuliers où il y avait le Hallel complet 12 jours par an. On avait vu là-bas, où il y avait, c'était ici, ouais, 12 jours par an, c'est dans la Mishnah Gimel. 12 jours par an, il y avait aussi de la flûte. Et quand il y avait de la flûte, il en fallait 6. Alors pourquoi tu ne me dis pas qu'il y avait 18? Et la réponse, elle est que c'est vrai, ces jours-là, il fallait 18 peut-être. Mais de manière constante, c'était 12 jours par an, il fallait ces 6 supplémentaires. Tandis que les 353 jours restants, eh bien, il n'y avait pas de flûte. Donc, la Mishnah vient me dit, sache que la constante minimale, elle était toujours de 12 chanteurs par rapport aux 12 instruments.
Ok. Et donc on a dit aussi Oumosifine Adleola. Maintenant on parle d'un autre petit sujet intéressant qui touche au même au chanteur toujours, que En Katan Nichnas La Azara La Avoda, un petit, si on veut le faire, amener un petit Lévi Katan à la Azara pour qu'il commence à s'habituer au mitzvot, à faire le service, eh bien on le faisait entrer à la Azara pour un service que Ela Bécha chez Lévi Mondim Mashir, que lorsque les Lévi'im chantaient. C'est-à-dire, les Lévi'im avaient plusieurs fonctions dans le Tamigdash. Il y avait le chant, ce qu'on appelait les Meshoririm, il y avait les Shoarim, ceux qui s'occupaient des portes, il y avait ceux qui s'occupaient aussi de la gestion concrète. C'est un peu comme dans les Bate Knessiot, il y a toujours le Shamash, qui s'occupe de tout remettre en place. C'était ça le rôle des Lévi'im au Bate Knessiot. Il fallait même nettoyer. C'est eux qui s'occupaient de nettoyer aussi la Hazara. D'accord. Et donc la Mishnah maintenant enseigne que sache que lorsque tu veux faire rentrer un petit, un katan, qui n'a pas encore atteint sa majorité, qui n'est pas encore venu en âge d'obligation de servir au Beth Amikdash, mais qu'on voulait quand même l'éduquer un petit peu, eh bien, on ne l'utilisait pas pour faire rien d'autre que d'aller chanter. On le prenait avec les chanteurs, on le mettait là-bas à côté, et ils chantaient. Et la Mishnah nous précise, c'est vrai qu'ils vont chanter. Veloi Omrin Benevel Vechinor et la Bapé. On ne leur donnait pas d'instrument de musique, on les faisait chanter avec leur bouche. Kedei Liten Teval Baneima. Afin d'ajouter de l'épice, de l'harmonie dans le chant. C'est-à-dire, les enfants ont en général une voix grave et ça rajoute des belles intonations quand ils chantent bien. Tu vois, il y a des petits enfants, c'est vrai qu'en plus, il y a des chassidim en général qui font des solos et c'est merveilleux à entendre, quoi. Des voix qui poussent, qui montent, qui sont à la fois aiguës et en même temps qui tiennent la route. Hein. En tout cas, donc ça rajoute une très belle harmonie. Et donc, en fait, les enfants, on les prenait que pour aller chanter. Sans leur donner d'instrument, qui chantaient avec leur bouche. Et on va en reparler à la fin de la Mishnah encore, on va voir le surnom joli qu'on leur avait donné. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov ajoute, En Olin Laminyan, sache que tu ajoutes des enfants, certes, mais ils ne comptent pas parmi les 12 que je t'ai demandé. Tu mets les 12 et tu mets en plus de ça des enfants. Ve En Omdin Aladouchanem, mieux que ça, on les fait pas monter sur l'estrade pour qu'ils chantent. Mais quoi? Et là, Ba'ar et Tsayomdin, on les laissait par terre. Ve Rachen mi ben regle alevim. Et leur tête arrivait à peu près à la tête au niveau des pieds des Lévi'im. Ouais, il y avait l'estrade des Lévi'im, je sais pas combien de marches dedans, je crois 6. Et c'est dans ma Sechet Midot qu'on découvrira tout ça. Donc il y avait des Lévi'im qui étaient là, et les enfants qui étaient donc par terre, qui étaient à terre, ils avaient leur tête qui arrivait juste au niveau des pieds. Et de là-bas, on les fait chanter. Ve Rachen mi ben regle alevim. Ve Tso'arei alevim ayunikreim. On les appelait les Tso'arei alevim. C'est quoi les Tso'arei alevim? Ça vient de Tsa'ar. Ceux qui font des misères aux Lévi'im. Et ils faisaient des misères aux Lévi'im, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils avaient une voix tellement harmonieuse et agréable et qui montait haut qu'ils faisaient de l'ombre sur les Lévi'im, comme ça le partenaire l'explique. C'était ici. Shayu metzarim et alevim agdolim, shayni cholim levasem, ou l'anim kolam kamotam. Les petits arrivent là, ils chantent avec leur voix qui pousse très haute. Les plus grands, c'est eux les grands chanteurs, les grands beaux gosses, ils n'arrivent pas à tenir la route. Le petit, il passe d'octaves très fortes, très hautes, très et l'autre, et le plus vieux, il n'arrive pas à avancer. Donc du coup, il lui fait de l'ombre et ça lui piquait le cœur, ça lui faisait des misères. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine, la slacha kol tov, c'est là.